Le sénateur Jean-Marie Bockel. Bon, j'ai évidemment bien reçu l'avertissement. La montre est posée. Merci Gérard Rio et toute l'équipe d'organisation CQT. Merci également Hervé Guillou. Je suis très honoré de faire la table ronde avec vous parce que vous avez beaucoup contribué à ma compréhension de ces questions, parce que je ne sais pas ce qu'il en est de mon ami le député Pierre Lasbordes, mais moi je ne suis vraiment pas un spécialiste à la base, hein, ce n'est pas ma formation, je ne suis pas ingénieur, et je suis vraiment rentré dans ce dossier parce que j'ai eu le sentiment qu'il y avait là un sujet important, mais avec évidemment... un besoin et une nécessité d'apprendre, de comprendre. Et d'ailleurs, puisque je cite le précurseur que fut et qu'est toujours Pierre Lasbordes, on s'est bien trouvés tous les deux et on va continuer à porter ensemble ce sujet avec des collègues députés et sénateurs de tous bords, parce que je crois que justement, et c'est peut-être ça que je veux apporter dans vos travaux de spécialistes, d'hommes et de femmes d'entreprise, il y a une dimension politique qui aujourd'hui doit être pris en compte et prise en compte au plus haut niveau. Alors, c'est vrai que mon travail a tout de même, et ça c'est un signal positif, même si ça n'est qu'un rapport parlementaire parmi d'autres, bien sûr, mais il a été voté à l'unanimité, ce qui montre bien que c'est des sujets sur lesquels on peut se rassembler. Je pourrais citer d'ailleurs aussi le travail de précurseur qu'avait fait le sénateur Romani il y a quelques années, mais je ne vais pas partir dans trop d'hommages vu le timing serré qui est le mien. Vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que nous sommes aujourd'hui dans un monde où les attaques contre les systèmes d'information sont quotidiens, essentiellement à des fins évidemment d'espionnage, mais ça peut aussi être à des fins malveillantes, de déstabilisation, voire plus. D'ailleurs, c'est un petit peu l'ambiguïté du sujet. C'est que moi, je suis sur une entrée défense, je suis à la commission de la défense et des affaires étrangères, mais j'ai très vite compris qu'il y avait une grande porosité entre cette dimension défense nationale, défense des intérêts vitaux, protection de nos intérêts vitaux, et une dimension, bien entendu, de protection également de notre richesse, de notre patrimoine économique par rapport à une réalité de pillage systématique. Et d'ailleurs, l'ambiguïté, c'est qu'on est tantôt sur cet enjeu économique majeur, d'ailleurs ça fait aussi partie des intérêts vitaux d'un pays, surtout en ces temps de crise, et la dimension de protection par rapport à ce qui sera peut-être demain une cyberguerre, et ce qui est déjà aujourd'hui un élément majeur de tous les conflits, et donc c'est aussi un enjeu de sécurité nationale, et en plus les deux sujets sont intimement liés, on l'a d'ailleurs bien vu lors de la première attaque tenue contre l'Estonie en avril 2007, sujet que j'ai un petit peu décortiqué en son temps et qui est très intéressant, et on voit bien aussi d'ailleurs qu'il y a souvent... un lien entre l'économique et la sécurité. Quand on prend l'exemple de Saudi Aramco, ça vous a été dit à plusieurs reprises, avec ses 30 000 ordinateurs et serveurs rendus inutilisables. Voilà. Alors la France n'est pas épargnée par ce phénomène. Je ne développerai pas devant vous, mais là aussi je l'ai décortiqué, l'attaque contre le ministère français de l'économie et des finances à la veille du G8-G20, qui, on le pense, a duré assez longtemps et qui, on le pense, a eu des effets directs et indirects sur notre économie nationale non négligeables, même s'ils ne sont pas réellement chiffrables. C'est-à-dire également intéressant de voir comment, avec l'ANSSI, ces choses-là ont été, approfondies et ensuite réparées. Et puis, il y a l'autre exemple connu d'une grande entreprise, mais exemple parmi d'autres, c'est celui d'Areva. Je ne vais pas vous faire un topo comme
me disait Gérard Rio, ce n'est pas ton public habituel, hein, sur les origines, les causes entre les hackers, les États, etc. Tout ça, vous le savez, je ne vais pas non plus vous parler du sentiment qu'on a que, même si rien n'est jamais complètement prouvable, beaucoup de ces attaques, notamment à vocation d'espionnage, viennent du continent asiatique, voire de Russie. Tout ça, c'est quelque chose qui est peu contesté. On sait que, par exemple, un pays comme la Chine est structuré, y compris au niveau de son armée populaire, avec des bataillons entiers qui vont au travail du matin jusqu'au soir pour pénétrer des réseaux, pénétrer des systèmes. C'est une réalité. D'ailleurs, je dis souvent que, j'y reviendrai tout à l'heure d'un mot, la Chine est aussi le pays le plus attaqué, puisque c'est là où il y a le plus d'internautes au monde, de par évidemment la taille de ce pays. Et ce sont d'ailleurs des pays qui sont aussi demandeurs d'une coopération pour répondre à ces difficultés. Mais parfois, il faut bien le dire, avec une philosophie sur le regard qu'on porte sur la dimension de liberté que constitue Internet, avec certes ses dérives, mais de liberté quand même, qui n'est peut-être pas tout à fait la même que la nôtre. Et évidemment, si la coopération, c'est de vouloir tout contrôler et empêcher que Internet soit aussi un outil de liberté, voire de liberté démocratique, on est sur des vrais sujets, mais c'est des sujets qui sont devant nous. Alors, voilà donc une problématique, la cyberdéfense au sens large, qui monte en puissance. Les États-Unis le porte aujourd'hui au plus haut niveau. Le président Obama est personnellement impliqué. Vous connaissez l'importance des programmes, les 50 milliards de dollars qui sont annoncés pour la période 2010 à 2015. Je suis allé également voir sur place comment le dispositif était structuré. C'est considérable. Au Royaume-Uni, pays plus comparable au nôtre, c'est également le Premier ministre Cameron qui a pris personnellement cette affaire en main, qui a annoncé personnellement un certain nombre d'augmentations budgétaires dans un contexte de crise comparable au nôtre, de coupes budgétaires partout. Mais là, on augmente les budgets et on sait pourquoi on le fait. Et on sait qu'on a un intérêt à le faire, moyennant quoi la Grande-Bretagne est aujourd'hui assez bien structurée, il faut bien le dire, avec un nombre important d'agents, avec une bonne organisation. Les Allemands, qui ont un système un peu différent, qui sont un pays confédéral, mais qui sont également un grand voisin comparable au nôtre, ont également un dispositif original avec leur fameux Office fédéral de sécurité de Berlin, le BSI. Et là aussi, en termes de moyens, c'est un peu comparable à la Grande-Bretagne. Et il faut bien le dire, très supérieur au dispositif français. Alors, la France, c'est vrai, au moment des rapports Lasbordes et ensuite Romani, n'était absolument pas préparé. C'était vraiment le village gaulois. Il y avait des petits trucs qui avaient été mis en place, une prise de conscience qui s'esquissait. Mais je dois le dire objectivement, à partir du livre blanc de 2009, au niveau défense, mais également sur le plan civil et du lien avec les entreprises, les choses ont quand même commencé à s'accélérer. Et le vrai tournant, ça a été, je le dis pour mémoire, car vous avez écouté Huguet. Il y a eu également des efforts qui ont été faits, bien sûr, le ministère de la Défense. Vous avez également écouté l'amiral Arnaud Coustillère. Et là, il y a une très, très bonne organisation maintenant qui se met en place. Mais les autres ministères et plus largement le monde économique ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour faire face à la menace, et notamment s'agissant des opérateurs publics et privés d'importance vitale. En effet, aujourd'hui, et ça c'est aussi un petit peu toujours le lien entre la dimension d'espionnage et la dimension de déstabilisation, aujourd'hui, si on voulait mettre à mal notre pays, évoquer quelques éléments, quelques propositions, quelques priorités de mon travail. Et je suis très content d'être venu là depuis hier, d'ailleurs, parce que j'ai pu, sur certaines de ces idées, échanger avec beaucoup d'entre vous et vérifier avec les spécialistes, les responsables économiques, ou que vous êtes, la pertinence de ces propositions. Mais d'un autre côté, dans certains domaines où le monde bouge à toute vitesse, il faut savoir établir la règle. Et un des soucis, par exemple, que nous avons, et là je pense essentiellement à l'économie, à l'espionnage, c'est que les entreprises ou organismes attaqués, surtout quand ils sont d'intérêt vital, mais plus généralement tout un chacun, car souvent on est dans une chaîne de clients, de fournisseurs, etc., qui fait qu'on peut être le maillon faible, il faut le dire. Aujourd'hui, notre psychologie n'est pas encore de le dire. Avouer qu'on a été attaqué, c'est un signe de faiblesse, pense-t-on. Il faut que demain, ce soit perçu comme un signe de lucidité, comme un signe de sûreté de soi-même. Et
dans un monde où tout le monde est attaqué, d'une certaine manière, oser le dire, c'est déjà montrer qu'on a un certain niveau de compréhension et de préparation et de capacité de résilience et de capacité de se faire aider lorsque c'est nécessaire. D'où mon idée d'aller vers une obligation, c'est d'ailleurs prôné également au niveau européen, de déclaration à partir d'un certain niveau d'incident. Beaucoup de pays l'ont déjà décidé. Ça n'est pas sorcier, je ne prévois aucune sanction, mais le simple fait que cette obligation existe fait que si vous ne le faites pas, vous risquez d'engager votre responsabilité civil par rapport au préjudice qui pourrait résulter de cette non-déclaration. C'est un exemple, mais derrière cet exemple, il y en a d'autres. Plusieurs d'entre vous m'ont parlé d'un souci, notamment par rapport à la sécurisation et son coût, de mettre en place un certain nombre de règles communes qui, d'ailleurs, faciliterait également une concurrence loyale, hein, et que ce soit clair, hein, notamment dans un appel d'offres, quel est le niveau de sécurité qu'on met, s'il y a à un moment donné quelques règles sur, je dirais, un minimum obligatoire, tout le monde est à peu près sur le même plan et on parle de la même chose. Voilà des messages que vous m'avez fait passer. Je plaide aussi pour un renforcement du statut et des prérogatives des responsables de la sécurité des systèmes d'information dans les administrations et dans les entreprises. Je pense que c'est un point très important. Il faut que ces métiers soient davantage considérés, respectés. Je pense aussi d'ailleurs qu'il y a un autre enjeu, et là je dis un mot, j'ai déjà passé presque les 12 minutes, mais on m'a dit que j'en aurais 3 de plus, c'était prévu dans le contrat. Je m'arrête une minute, ce matin encore les journalistes évidemment m'ont beaucoup arrêté là-dessus, sur une des propositions qui hélas a un peu masqué les autres, parce qu'elle a fait du buzz, hein, c'est la question des routeurs de cœur de réseau et notamment ceux fabriqués par certaines entreprises avec le cheval de Troie que ça pourrait constituer peut-être plus facilement encore que d'autres routeurs, car tout le monde peut être, tout dispositif peut être cheval de Troie. Naturellement, il n'y a pas de sécurité absolue, mais là, il y a quand même un souci et ce souci, d'autres pays l'ont identifié, ont pris des mesures parfois drastiques pour y faire face. Et bien sûr, je voudrais dire, j'ai eu des contacts, d'ailleurs, grâce à la rencontre également de ces jours-ci avec les responsables, notamment de Huawei, et qui m'ont dit, mais on aurait pu se voir avant. J'ai dit, oui, c'est vrai, personne n'est parfait. Moi, il y a un moment où j'ai rendu mon rapport, mais au fond, je continue à porter le sujet, comme Pierre continue à porter le sujet. Hein, ce sujet me passionne, donc on va continuer à travailler. Et donc, les contacts qu'on n'a pas eus hier, on peut les avoir demain ensemble. Et je pense que ce serait un dialogue utile, parce que le fait d'avoir mis les pieds dans le plat sur ce sujet, qui est un vrai sujet, et tous les industriels que j'ai vus me disent, oui, monsieur Bockel, vous avez eu raison, c'est un vrai sujet. Croyez bien que j'ai même été réticent au départ d'évoquer la question de l'interdiction, parce que je suis plutôt un libéral, mais je pense que c'était le seul moyen de faire bouger les choses. On me dit aussi, et c'est un vrai sujet, je les rencontrerai, que les Britanniques sont plus ouverts, les Britanniques sont plus forts. Quand on est plus fort, on est plus libéral. Confère ce que je disais tout à l'heure, d'où l'intérêt de nous renforcer au niveau d'organismes comme l'ANSI. Mais ils sont forts, c'est-à-dire exigeants. Et exigeant au niveau naturellement de tout ce qui permet ensuite une labellisation aux normes de sécurité qui sont les nôtres. Bref, sur ces questions, moi, je ne suis pas dans la polémique, j'ai marqué le coup. Ensuite, le dialogue doit continuer. Moi, je suis pour le plus haut niveau d'échange avec la Chine. J'aime ce pays, je le connais bien, je respecte ses industriels. Je sais aussi que le rapport de force, ça fait aussi partie de la vie économique et politique. Et donc, si ma sortie sur ce sujet permet d'approfondir le dialogue, tant mieux. Alors, j'en termine avec aussi, cher Hervé Guillou, la perspective au-delà de ce qui est protection. Et là aussi, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils y aspiraient, d'une politique économique, industrielle, volontariste dans ce domaine. Nous avons déjà des industriels, ils sont là, hein, qui sont au top. On peut aller plus loin. Les Allemands sont demandeurs, notamment sur les routeurs de cœur de réseau, d'autres encore. Nous avons une Europe de spatiale, nous avons une Europe de l'aéronautique, c'est formidable, on en est très fiers. Je vais dans quelques jours, en tant que président de mon agglomération mulhousienne, présider la communauté de Villariane. Je vois bien tout ce que ça représente en Europe, dans ce domaine-là, où vous voyez bien, que ce soit l'ANSI des entreprises, vous ne trouvez pas difficilement les ingénieurs techniciens dont nous avons besoin. C'est également donc un potentiel d'emploi de haut niveau. Donc ça, je crois que c'est une perspective où il faut qu'il y ait, comme les Américains ou d'autres savent le faire, une impulsion des pouvoirs publics pour être en soutien de l'économie. Et vous savez, sur ces questions, l'argent qu'on dépense a un effet levier considérable par rapport au retour sur investissement.
Je ne vous parlerai pas de la question des ressources humaines. Je ne vous parlerai pas de la coopération internationale en matière, alors proprement parler, de défense, pour vous dire encore les fragilités de l'OTAN, les fragilités de l'Union européenne, dont on attend pourtant beaucoup en matière de réglementation des télécommunications. Je parle de l'Union européenne. Mais dans ce domaine-là, ça progresse. Nous sommes, c'est vrai, en matière de défense, beaucoup sur un sujet de souveraineté nationale où on a plus tendance à faire du bilatéral, parce que là, on sait ce qu'on partage et ce qu'on ne partage pas, et on sait avec qui on travaille, avec qui on ne veut pas ou pas encore travailler, pour éviter de s'exposer. Mais tôt ou tard, cette coopération devra se renforcer. Enfin, le sujet alors, qui intéresse plus les responsables du monde de la défense, mais au fond qui vous concerne tous, c'est la question des capacités offensives. Car un pays comme le nôtre, pour pouvoir bien se défendre par rapport à des attaques qui peuvent aller au-delà de l'espionnage, doit être aussi capable de riposter. Nous sommes sur ces questions dont on parle peu, et c'est normal, pas mal structurés, pas mal organisés, avec de bons partenariats internationaux. Moi, je plaide pour qu'on puisse aller un peu plus loin, non pas dévoiler nos secrets, mais avoir une doctrine d'emploi, qu'on puisse associer à cette réflexion des industriels, des universitaires, des journalistes, bien sûr des militaires, et je crois qu'on se grandirait à le faire. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, en espérant qu'on aura le temps de quelques questions, et c'est très frustrant pour moi de l'avoir fait ainsi en style un peu télégraphique, les quelques messages que j'avais envie de vous délivrer en vous remerciant de votre accueil. Oh.